et compagnie. Et je ne vous plais pas aujourd'hui. Oh, c'est rien que du trucage, cette femme d'horreur, là. Oh. Nicole, tu m'as dit qu'on n'était pas fait pour s'entendre. Mais il n'y a rien de plus faux. Les contraires s'attirent. Regardez pareil, ils n'ont rien en commun et pourtant ils s'aiment. Oh, regarde, regarde! Mais oui, mais Nicole et Alain voulaient regarder un film d'horreur. Puis tu sais, moi, je peux pas voir ça, les vampires. Il y avait un bon vieux film de Bing Crosby aussi, ça. Mais non, nous, ce qu'on peut voir à la télévision, ça compte pas. Mais oui, mais tu sais, le film d'horreur, c'est un prétexte. C'est parce qu'il voulait, Alain voulait rester seul avec Nicole. Hey! Maman! La mère ou ça? Ici! Madame Antoinette Brodeur, parlant au nom de l'Association des consommateurs, a déclaré « Il y a trop de monde sur la terre. Hey. » Trop de monde sur la terre. Il y a trop de monde dans la maison. Je travaille du matin au soir pour avoir un salon, une télévision. Je peux même pas en profiter, les parents, hein, dans la cuisine. On pourrait aller s'asseoir dans la salle à manger. Sur une chaise droite, à regarder les murs. Puis Nicole dirait qu'on la chaperonne. Non, 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 non. La place des parents de nos jours, hein, c'est dans la cuisine. Ouvre la radio, là. Ce qui me choque, là, c'est que t'as l'air de trouver ça normal. On soit relégué à la cuisine. On soit refoulé à la cuisine. Tu sais à qui je nous fais penser, tiens? À nos vieux parents qui avaient dans notre livre de lecture quand j'étais jeune, là, tu sais, tu te rappelles? Arrête. Les vieux parents qui demandaient à par terre dans une écuelle de bois. Gérard, arrête de te promener. Tu m'étourdis. Tiens, prends la section des sports, là. C'est ton hockey commence bientôt. Est-ce que j'aurais le droit, dans mon salon, sur mon appareil de télévision, de le regarder, mon hockey. Bon, ben, je vais aller leur dire d'aller dans le sous-sol. Mais tu le sais, Alain et Nicole, ils s'entendent pas avec François et Isabelle parce qu'ils aiment pas les mêmes disques. Puis c'est la chicane qui prend deux coups. Deux couples veillent ensemble, ça marche jamais. Ah, autant dire qu'on est prêts à vivre dans la cuisine pour des années à venir, jusqu'à ce que nos trois filles soient mariées. Mais oui, mais c'est comme ça, Gérard, quand on a des filles. Et Germain, là, ce soir, qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Il dérange les parents d'une fille. Ben, ça n'a pas de bon sens. Nos filles sont trop jeunes pour avoir des cavaliers réguliers. Trop jeunes. Il est minuit, là. Il est minuit pour le vrai, hein? Minuit. Mais oui, mais Gérard, c'est vendredi, puis demain, ils ont congé. Je peux pas m'asseoir dans mon salon, pas regarder ma télévision. Je peux même pas me coucher avant que les cavaliers soient partis. Ça se fait pas, hein, il paraît. Écoute, Gérard, là, t'exagères. Allô? Hey, ça que j'ai fait. Hey, dans votre temps, les filles, est-ce qu'elles nourrissaient leurs amis? Moi, ma petite amie, elle ne part jamais rien. J'ai beau lui donner des hints, elle comprend pas. Dis que c'est long toute une veillée avec une fille sans manger. Ça vient plate, toujours juste deux. Elle me regarde, elle m'aime. C'est un chalet. Je pense que je vais casser. En groupe, c'est plus amusant. Puis si on a faim, on mange. On est indépendant. Hey! C'est pas bête, ça. Hmm? C'est pas bête, Gérard. Sortir en groupe plutôt que sortir cet été. Ouais, c'est vrai, ça. Plus à la mode, ça. Courtiser une fille, aller chez elle, veiller au salon, hein? C'est vrai, ça. C'était bon dans ton temps, ça, papa. Ouais, ben moi, je casse. Bon, je casse la croûte. Hein, pas drôle? Bon, ben, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Merci quand même, hein? Bonsoir. Ouais. Plus tranquille quand je sais que vous êtes à la maison. Avec tout ce qui se passe maintenant, pour une femme seule, c'est bien agréable de voir un homme comme ça. Sans toi, Nicole. Sans toi, je suis une loque. J'ai besoin de toi, t'es ma seule famille. Oh, parle pas, Alain, je comprends rien. Viens, viens, viens. Un petit tour dehors, on va ça au dodo, hein? Je te pensais partir, Alain. Viens, viens, viens. Et puis. Votre maison me réconforte, ton père me réconforte. Puis la cuisine de maman aussi, hein? Ma mère veut pas sortir. Il s'endort trop.
Bonsoir, Alain. Nicolas, là, là. Il est assez tard, il s'en va, là. Le film achève. Ah, ben, je disais pas ça pour ça. Bon, ben, il y en a un qui s'en va. Il a compris, ça a l'air. On a un autre en bas, par exemple. Comme dirait ma mère, il est pas partout, ce nuit-là. Gérard, j'entends rien, même pas de la musique. Que c'est donc inquiétant, un sous-sol. Je vais leur dire, moi, c'est assez tard. Non, 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 non. Faut leur faire confiance. Il paraît. Isabelle, moi, je passerai ma vie ici. Ma vie entière. T'es dedans? Il est quelle heure, là? Il doit être tard. Non, il est pas tard. Hé, le temps passe vite avec toi. Tu m'as pas dit 15 phrases la veille. T'es un homme d'action. Je peux plus le remonter. Il est au bout. Pourtant, ça marchait. Dans notre jeune temps, rappelle-toi. Je me rappelle surtout que ton père criait, hein? C'est assez tard, ça, bonsoir! T'aurais pas dû ce qui se faisait dans notre temps. On capte, viens, t'en viens, t'en viens. Vous avez une maison bien accueillante. Bonsoir, à demain. Bonsoir. Demain. Demain, je mets toi les cavaliers dehors. Gérard, t'aimerais mieux peut-être qu'elles aillent veiller chez leurs cavaliers, hein? T'aimerais mieux qu'elles courent les discothèques, qu'on sache jamais où elles sont. On n'a pas le choix, Gérard. Tant qu'on aura des filles, il faudra recevoir les cavaliers ici à la maison. Bon. Oh, avec tout ça, j'ai pas vu le film. Allez, on va arrêter de parler. Vous me restez chanceuse. François, il n'y a pas moyen de lui sortir un mot. Pour lui aller voir une fille, là, il prend ça au pied de la lettre. Il la regarde, point. Pas un mot. Puisque vous n'êtes pas satisfaite, pourquoi vous continuez de les voir? C'est vrai, Nicole. Puisque tu l'aimes plus, toi, Alain. Je l'aime plus, mais en attendant, c'est pas désagréable d'être aimé. En attendant. Je te trouve pas honnête, Nicole. Quand on n'aime pas un garçon, on ne lui laisse pas de faux espoirs. Non, je peux pas dire que je l'aime pas. Je peux pas dire que je l'aime. Je sais pas. Bon, il fait. En attendant. Maman, serais-tu capable de dire, tiens, Macaire, va-t'en? Mais c'est pareil. François, il est bon. Il est fidèle. C'est un bon toutou. Puis t'as l'air folle à l'école quand t'as pas d'histoire d'amour à raconter. Bon, écoutez, les filles, là. Moi, je vous comprends pas. Hein. Vous êtes à l'âge, là, où on s'amuse en groupe, quoi. Oui. On rit, on chante, on danse en groupe, à l'âge de du magasinage en amour, tiens. Comment voulez-vous rencontrer l'homme de votre vie et si vous restez enfermé avec un seul dans le salon ou dans le sous-sol? Si vous étiez amoureuse, là, vraiment amoureuse, je dis pas, mais... Non, vous êtes à l'âge où on peut rencontrer beaucoup de garçons. Vous avez la chance d'en rencontrer beaucoup. Moi, si j'avais eu cette chance-là, hein? Ouais, parce que votre mère, hein, si elle m'a épousé, moi... C'est parce qu'elle a pas pu magasiner. Oh, c'est vrai, ça. Moi, j'aime la discussion. Puis avec Alain, je discute pas, j'écoute. Puis moi, j'aime faire des folies, rire. Puis avec François, c'est silence. Ici, on soupire. C'est vrai, ça. C'est pas une mauvaise idée de sortir en groupe, hein, magasiner. C'est pas si bête. Tous vos amis seraient les bienvenus ici, hein? Leur maison, la maison ici, là, serait grande ouverte. Vous savez qu'un sous-sol, là, c'est parfait pour un groupe. Vous pouvez chanter, danser, crier, ouais, manifester. On pourrait amener nos amis, hein? N'importe quand. Du moment que ce serait en groupe. On vous dérangera pas. Bon, ben, je casse avec François. S'il veut se joindre au groupe, ben là, OK. Bon, mais moi aussi, je casse avec Alain. On va redevenir copains. Bonsoir. Bonsoir. Merci de l'idée. Bonsoir. Bonsoir. Hey, ça sera peut-être ma chance de trouver l'âme sœur, comme ils disent les agences matrimoniales. Bonsoir, merci. Bonsoir. Hey, c'est un vrai plaisir d'élever des filles comme Isabelle et Nicole, hein? Elles comprennent tout à demi-mot. Notre problème est réglé, sais-tu? On enferme toute la bande dans le sous-sol, puis la maison est à nous. Qui a eu cette idée de génie-là? Hein? Toi ou moi? Oh. Sais-tu, Fernande, que ça marche? Quoi donc? C'est mon idée. Enfin, notre idée.
Normalement, un samedi, Nicole serait dans un coin avec Alain puis François avec Isabelle dans l'autre, mais non. Ils sont sortis après-midi en groupe. En groupe! Allô? Il est 5h15, le souper. Personne prépare le souper. Ah oui? Qui? Toi? Ça te poserait ta mère, je crois. T'es pas mal chaud. Nous avons les courriers au secret de la Papa? Maman? Daniel? Georges? Normand? Bonsoir. 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 Hey, papa, il y a un bon chanteur à la télévision américaine, on peut regarder? Ben, on regarde la télévision! On demande avant vous, hein? Maman, la télévision, c'est pas juste aux petits! Puis on est en démocratie, on est 4 contre 2! La maison est ouverte à notre groupe d'amis, oui ou non? Bon, laissez-moi passer. Les petits, venez, on va aller aider maman à préparer le souper, hein? Dans la cuisine, avec les parents, hein? Toi aussi, Germain, tiens. Puisque c'est toi qui prépares le souper. Ouais. En tout cas, si les filles peuvent amener leurs amis ici, moi, je vois pas pourquoi je pourrais pas amener ma gang. C'est un phénomène bizarre, hein? Plus les jeunes veulent être Québécois, et plus ils ont pas de mots en anglais. Je vois pas pourquoi je pourrais pas amener ma bande d'amis ici. Groupe! Tu vois, Mapa aussi va amener sa gang. Moi, je tombe la table, c'est si bon. Oui, 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 tout est prêt. Ouais. Venez. Des ampoules et picher des patates, puis je peux même pas manger le fruit de mon labeur. Du jambon chaud, puis des patates, puis les chaudes. Ça serait pas bon, ça, pas, hein? Mais non, il a fallu faire des sandwichs. Sois bien content, Germain, quand je recevrai tes amis à souper. Tous nos enfants sont égaux, Germain. Là, on reçoit les amis de ta sœur, on va recevoir tes amis en groupe aussi. Ta nouvelle politique de la maison. Eh bien, il est pas tard, hein? Je vais aller chercher ma gueule. Non. Demain, voyons donc. Tu trouves pas que c'est assez, là? Non. Ben moi, je trouve! Bon. Hé, Marie-Josée, on va recevoir tes amis un jour, mais un autre jour. Moi, je suis amie avec tout le monde. Mais que t'as. Transformons la maison en centre de loisirs, hein? Nous autres, les parents, il nous restera le garage, par exemple, hein? On nous a mis dehors du salon, d'abord, ensuite la salle à manger. Tantôt, on va être de trop dans la cuisine, tu vas voir, il va nous rester le garage. Après, ce sera la rue, par exemple. Écoute-moi, Gérard, je veux pas, moi, plus tard, les enfants puissent dire j'ai été traumatisée parce que mes parents voulaient pas que je reçoive mes amis à la maison. Ah, parce que n'importe quoi, les enfants diront toujours j'ai eu une enfance malheureuse, j'étais traumatisée. Ça a l'air niaiseux de nos jours de dire j'ai eu une enfance heureuse. Il n'y a plus de cornichons! Un peu de caviar aussi, hein? Est-ce qu'on en a? Il n'y a plus rien non plus! Il reste un peu de champagne dans la cave. Oh, hey, non! Tu parles, j'en fais la limonade. Mais non, maman, laisse faire, j'en ferme. Ben. Je vais prendre les oranges pour faire la limonade avec des citrons. Veux-tu mon sandwich aussi? Papa, on dirait que ça ne fait pas plaisir de nous voir nous amuser en groupe. Vous savez, Alain, François, vous n'étiez pas content. Vous nous suggérez d'amener notre groupe d'amis. On oublie, puis vous n'êtes pas content. Ben, on ne sait plus quoi penser. Ben, nous autres non plus, hein?
que ça, hein? Ils ont tout mangé de jambon, tout mangé de pain, puis il reste même pas une miette de gâteau au que tu avais fait. Pas une miette. Même pas d'orange pour manger demain matin pour mon déjeuner. Au moins, ils lavent la vaisselle. Non. Au moins, ils nous permettent de regarder la télévision. J'y vais. Allô? Nicole. En arrière, la cuisine. Hi. Hi. Il n'y a pas de party, ce sont les amis de nos filles. C'est peut-être un party. Est-ce que vous êtes amis avec Isabelle ou avec Nicole? Isabelle? Nicole? Je connais. Vos filles? Ben voyons, Isabelle, Nicole. Oh oui, oui. Je ne sais pas trop vous demander, pourriez-vous nous dire ce que vous venez faire ici? Ah, le samedi soir, on n'a jamais rien à faire, alors on se promène, on guette les maisons. Puis c'est des gens qui rentrent quelque part, bon, on suit. Ça nous fait une place à aller. On nous sert de quoi manger, on danse. Ça passe le temps. Des fois, c'est plat. Des fois, c'est le fun. La gambo. J'aime les gambo. T'es en arrière, les jeunes? Oui, oui. Oui, oui. Salut. 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 Elle est forte, celle-là. Au moins, la vie des parents de nos jours, c'est pas ennuyant. Ça peut venir à toi. Toi, comment tu prends la position? Tu vois, Gérard, ils sont dans le sous-sol, là, puis ils s'amusent, puis qui est-ce que ça dérange? Puis au moins, ben, on n'est pas inquiets. Mais c'est trop beau pour être vrai. Oh, que j'ai d'avoir des grands, puis d'avoir tous mes amis à la maison aussi. Bon, la maison va être pleine d'amis, parce que moi, j'ai beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de place pour étendre la banderole. Mes amis veulent peindre une affiche pour notre pièce de théâtre qu'on prépare. On peut servir de la tabac à côté. Oh, Nicole, c'est un meuble de famille. Oh, bon, on va faire attention, hein? Merci. Merci, merci beaucoup. Mais... Hé, hey, le stéréo marche plus, puis il y a de mes amis qui le réparent. Est-ce qu'on peut regarder la télévision avec vous autres? OK, venez. Hé, hey, il y a Tom Jones au 12, on peut regarder? Merci. Bon. Bernard. Vraiment, viens bien, on va aller coucher les petits. Les deux, là. Amusez-vous bien. Wow, ça va être pas mal drôle, ça. On va rire. Il est pas mal bon, ça. Vraiment, j'ai vu une initiation 5 fois. Je connais ça, l'anatomie. Nicole, mais voyons, qu'est-ce que tu fais sur le buffet? Je bouge. Allez, on va rire. Simon, il y a une idée de génie. Mais... Oh! Mais c'est... Oh, c'est Nicole, ça? Oh, non! Oh, mais non! Il y a quelque chose qui se passe à côté. Papa joue les verres outragés. Peux-tu m'expliquer, Nicole? Mais papa, c'est une farce, une blague qu'on veut faire au professeur. Mais c'est une farce, ma fille, elle est pas drôle. Oh, mais c'est drôle! Oh. On n'a pas, enfin, on n'a pas la même conception du sens de l'humour, ça a l'air. Excusez-moi donc. S'il vous plaît, hein? Ça pourrait être pire, Gérard. Ils pourraient tous être en train de se droguer. Mais non, ils s'amusent ici, sous notre toit, dans notre maison.
J'aurais fait ton portrait nu. T'aurais été insulté. Nicole, elle, elle, rien. Elle trouvait ça drôle. Parce que la nudité, c'est pas grand-chose pour eux. Puis, c'était pas Nicole sur le portrait, sur la peinture, là. Nicole, elle, elle est toute petite, toute menue, puis sur le portrait, c'était une fille plantureuse comme les affiches de cinéma. Alors, c'était une blague. Ça doit en être une. Blague? Une blague aussi que... On se retrouve dans la cuisine, tous les deux. C'est pas une blague. C'est la vie, ça, Gérard. Parce qu'on a des enfants. Vous êtes sûr que j'en trouverai pas un ou deux dans mon lit, là, hein? Ils sont tous partis. Quand est-ce que vous recommencez à sortir cet été, hein? Oh! Oh! Quelle famille!